C'est justement ce qui tétanise la jeune Marie-Jade, qui n'avait pas besoin de cela pour être terrassée par le trac. Quand on est dans ce genre d'éléments, on ne peut pas avoir vraiment... Enfin, moi, dans tous les cas, j'ai pas confiance en moi quand je suis entourée de tous ces très beaux danseurs, ces très gros performeurs aussi, parce que c'est un concours qui fait appel à de grosses performances. Et maintenant, je suis ici, je suis pas ici par hasard, je pense. Je vais donner et je vais montrer ce que je peux faire. Je vais essayer de donner le meilleur. Maintenant, est-ce que le jury sera touché ou pas? Ça, c'est les seuls à pouvoir en décider. Ça vous fait pas mal du tout, ça. Mais ça passe tranquille. Et moi, si je fais ça, je suis mort. Oh, très impressionnant. Hein. Marie-Jade. Oui. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça a l'air de bien aller, t'as un beau sourire. T'es stressée? Bah oui. Bah tu vas mettre ça au service de ta danse. J'espère. Tu viens d'où? De Lyon. De Lyon? T'es venue ici pour passer l'audition? Spécialement pour vous. Ok, tu connaissais ce programme? Oui. Il t'a fait rêver? Énormément. Et toi, tu vas nous faire rêver? J'espère. Alors on te regarde, allez. Merci. Musique. Tu as trouvé comment? Malheureusement, jamais assez bien. Tu penses que tu as donné le maximum? Non. Est-ce que tu es fière de toi? Pas entièrement satisfaite, mais après, voilà, j'ai quand même donné certaines choses, donc je m'estime quand même relativement contente. Tu penses que nous, on est contents? Mais vous me faites peur! Et pourquoi? C'est une question que je te pose. Bon, alors j'arrête, viens chercher ça. Allez, viens. Merci. C'est de toute beauté. Merci. Continue, hein. Maman!